C'est inutile car la voici. On vous l'amène. À la vue de Boulotte et de ses appâts, Barbe Bleue enthousiaste montre une belle culture picturale. C'est un Rubens. C'est un Rubens. Ce qu'on appelle une gaillarde, une robuste campagnarde, bien établie, bien établie en tous les sens. Elle n'a point ces mignardises qui m'ont fatigué des maraquises. Non, c'est un Rubens. C'est un Rubens. C'est un Rubens, un fameux Rubens, un fameux Rubens. C'est un Rubens, un fameux Rubens. C'est un Rubens. C'est un Rubens. C'est un Rubens. Une grosse et forte luronne qui, lorsqu'un amant la chiffonne, se défend, un grand coup de poing. Elle est robuste, elle est naïve, sa grâce est quelque peu massive. Oh, c'est un Rubens. C'est un Rubens, c'est un Rubens, un fameux Rubens, un fameux Rubens. C'est un Rubens, un fameux Rubens. C'est un Rubens. Et maintenant, approchez-vous et sur ce tabouret, mettez-vous à genoux. Silence, 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 silence de mon Seigneur, admirons l'éloquence. En recevant ce témoignage que nous devons à tes vertus, tu nous promets de rester sages, ainsi que toujours tu le fus. Vous promettre ça, ah, je le vais bien, entendu que ça n'engage à rien, entendu que ça ne m'engage à rien. Si quelque jour, bientôt peut-être, d'un mari je te fais présent, ce jour-là, tu nous promets d'être digne de lui, comme à présent. Vous promettre ça, ah, je le vais bien, entendu que ça n'engage à rien, entendu que ça ne m'engage à rien. Écoutez, Manon ou Vasseau, je vais faire une chose immense. Grand principe, je vous devance. J'inaugure les temps nouveaux. Moi, noble et grand seigneur, de race haute et fière.
Les gens de pied, selon l'usage, les gens de pied iront à pied. Les gens de pied, selon l'usage, les gens de pied iront à pied. Les gens de pied iront à pied. Barbe bleue, barbe bleue, barbe bleue, barbe bleue, plus tard, et tandis que Boulotte est dans le premier quartier de sa lune de miel, le roi Bobèche et la reine Clémentine s'apprêtent à marier leur fille Hermia avec le prince Saphir, riche seigneur des environs. Ils ignorent, et la princesse aussi, que Saphir s'est fait berger par amour de la jeune fille, et il ne s'agit dans leur pensée que d'un mariage de raison. La reine Clémentine s'en indigne, mais le roi Bobèche est un autocrate, fort imbu de ses prérogatives. C'est ainsi, par exemple, que les courbettes de ses courtisans doivent être chaque jour plus profondes. Le comte Oscar le sait bien. Dans la grande salle du palais royal, entouré des seigneurs de la cour, parmi lesquels le jeune et bel Alvarez, il donne un aperçu de la technique.